You are now watching the M2 Show. Show. Bonsoir, c'est Roger Montouraja avec The M2 Show. Encore une fois, nous vous disons merci de nous recevoir chez vous. Nous savons que vous restez toujours cloués devant vos écrans pour nous suivre et nous vous remercions infiniment, surtout pour vos commentaires et vos suggestions que vous continuez à nous envoyer. Nous vous remercions aussi à ce sujet. Ce soir, nous avons une émission spéciale. Nous avons une émission spéciale car nous avions eu l'occasion d'interviewer le président de l'UNC lors de son passage ici à Washington DC. Monsieur Vital Kamerhe est passé brièvement ici grâce à une invitation de la CSIS, qui est le Center for Strategic and International Studies, présidé par Madame Jennifer Cook, qui elle-même a fait l'introduction de cet événement que vous allez suivre dans un instant. Voilà, l'ex-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a eu à répondre à beaucoup de questions que beaucoup de membres de la communauté congolaise et internationale lui ont posées. Voilà, et nous avions aussi eu l'occasion d'interviewer certains de ses membres à la fin de cette présentation. Ils ont aussi parlé devant les micros de M2 Show que nous allons vous proposer ce soir. Voilà, il y a eu aussi la présence de beaucoup de membres de l'UNC, encore une fois l'Union pour la Nation Congolaise, entre autres M. Kaniki, M. Amboka Bomba et aussi M. Patrick Tanguelo et beaucoup d'autres qui eux aussi étaient présents à cet événement. Voilà, sans plus tarder, nous allons vous laisser suivre cette émission et nous revenons dans un instant. Tu vas. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ici à Washington DC avec tous les membres de la communauté congolaise ici à Hilton Hotel. Et je suis là pour vous dire que nous avons une invitée de marque aujourd'hui ici à Washington, Monsieur Honorable, si je dois le dire, Vital Kamerhe, qui est venu ici parler à la communauté congolaise de Washington, pourquoi pas. Et nous allons essayer de lui poser quelques questions. Bientôt, il va se présenter ici et nous allons lui poser quelques questions que beaucoup de membres de la communauté congolaise se posent et surtout que M. Vital Kamerhe va se poser, se présenter, si je dois le dire, à la candidature à la présidence de la République démocratique du Congo. Alors, c'est encore une fois Roger Montouraja avec The M2 Show. Comme je vous disais, nous avons notre invité aujourd'hui ce soir, Monsieur Vital Kamerhe. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roger. Monsieur Vital, ça nous fait vraiment plaisir que vous veniez voir la communauté, visiter la communauté ici de Washington. Tout le monde, comme vous avez vu, bientôt là, on était au meeting. Tout le monde était content. Merci. La joie est partagée parce que vous savez, quand nous nous retrouvons comme ça en dehors de notre pays et que nous parlions des problèmes de notre pays et que nous ayons l'impression d'être écoutés et surtout appuyé par notre communauté, c'est une fierté. Vous savez, la diaspora congolaise, c'est un auditoire pas très facile et que beaucoup de Congolais n'accepteraient pas d'affronter. Vous savez, avant d'entrer dans cette salle, je me posais beaucoup, mille et une questions. Je me disais comment ça va se passer, quelles sont les questions qui seront posées, mais c'était aussi facile de savoir. Mais vous devez déjà avoir l'habitude. J'ai l'habitude, je savais que les questions récurrentes sont connues. Vous étiez avec Kabila aujourd'hui, comment vous allez nous faire croire que vous êtes opposant? Vous avez écrit un livre sur Kabila, comment aujourd'hui vous allez nous convaincre? Et à tout cela, moi j'ai dit, il faut d'abord lire mes idées, ma vision pour le Congo, mon projet pour le Congo, mon programme pour le Congo et les systèmes de leadership que je compte instaurer dans notre pays. Pas un homme fort, des institutions fortes, une équipe forte
pour un Congo prospère, stable et fort au cœur de l'Afrique. L'image de la locomotive, où il y a les machinistes, bien sûr, celui qui conduit la locomotive, mais il n'est pas seul, il n'est pas même temps électricien et météorologue. Il est assisté de beaucoup d'autres personnes et ça fait une équipe. Et c'est cette équipe-là qui constitue la locomotive, qui est attachée au wagon. Et les différents wagons sont différents en confort, mais la particularité, c'est que tous les wagons sont attachés à la locomotive et avancent à la même vitesse que la locomotive. Et nous avons dit que les derniers wagons, là où va se trouver la majorité du peuple congolais, nous devons créer des conditions telles que les plus pauvres des Congolais qui sont dans ces wagons-là ne puissent pas manquer à manger. La boule nationale, le foufou, les riz, le makayabo, la viande, le pondou, le bitekuteku, la viande de chasse, tout ce que vous savez. Qu'il ne manque pas l'eau pire, même si ailleurs, dans d'autres wagons, on boit du vin ou du champagne, mais là-bas, que l'eau pire ne puisse pas manquer. Que les enfants et les mamans et les papas qui sont là-bas ne puissent pas avoir des soucis pour leurs soins médicaux. Qu'ils ne puissent pas manquer de quoi scolariser leurs enfants. L'éducation pour tous. Qu'ils ne puissent pas passer la nuit dans des maisons à la moindre tempête, au vent, aux pluies, et les enfants se retrouvent à la belle étoile, dans l'habitat. Et qu'ils ne puissent pas avoir de problème d'exercer leur liberté fondamentale, c'est-à-dire de critiquer, de parler, d'aller et de venir sur le territoire national. Nous disons, c'est minimum vital si nous le garantissons pour le peuple congolais. My name is Jennifer Cook. I'm director of the Africa program here at the Center for Strategic and International Studies. We're delighted to welcome you to today's event, the road to presidential in the Democratic Republic of Congo. This is a big year for elections in Africa, with more than 15 presidential elections in 2011. I think while the electoral standoff in Côte d'Ivoire, the Sudanese referendum, turmoil in Egypt have taken a lot of attention already and are kind of dominating Africa-centered interest, I think it'll be very important in the coming months to focus on the elections in the Democratic Republic of Congo. As you know, this is a country of potential and promise, but also one that's been racked by conflict and crisis for decades. Recently, I think in a positive development, our attention has been spent on the crisis in the East, but I think less on the fundamental issues that underpin that crisis, the issues of governance, which really very much are determined extent within Kinshasa. So these elections coming up are ones that I think the United deserve our scrutiny, our attention, and our support. We hope in the course of the coming months here at CSIS to host a series of events focused on the elections, the critical questions, and how the United States and international community can support free, transparent, and credible elections. I think, as you know, there are troubling signs, perhaps already, the constitutional amendment that eliminates a runoff election between presidential contestants is kind of something of an ominous sign. I think it will be incumbent on the opposition, given those circumstances, to have a strategy in place. And for that reason, we're very happy to host today Vital Kamerhe, who is the president Union pour la Nation Congolaise, the UNC party. As you know, he's a former member of parliament, representing the Bukavu district, Kivu. Many of you know he was one time a close ally of President Kabila. He served as Secretary General of the ruling People's Party for Reconstruction and Development, the PPRD. He's the leader of President Kabila's election campaign, and held a number of government positions. Most recently, he was president of the National Assembly, a position which he resigned in March 2009 after a very public falling out with President Kabila over Rwanda's involvement in Eastern DRC, and perhaps more specifically, the role of the legislature and the powers vested in the legislature to be informed and to oversee. So Mr. Kamerhe has been a key figure both in successive peace processes on the East and in the inter-Congolese political dialogue. He is today considered among
the leading opposition candidates for president in the run-up to the November 2011 elections. So we're delighted to have you here with us. He's joined today by Tadi Wantwadi, who's the personal representative of Mr. Kamere in the U.S. He'll be translating for Mr. Kamere. And also on the panel, we have Mvemba Dizolele, who is a distinguished visiting fellow with the Hoover Institution of Stanford University. Mvemba is a writer, foreign policy analyst, and independent journalist. He's written extensively on Congo. He's currently a visiting scholar at the Johns Hopkins School of Advanced International Studies, and is the author of a forthcoming, we're looking forward to seeing this too, the forthcoming biography, it's been forthcoming for a while, Mobutu Bird Kings. I just want to say a note. I know many people have traveled to this event from far away. There's a great deal of passion surrounding the issues in Congo. They say this about Kenyans and Nigerians, but Congolese, you have three Congolese in the room, and you've got four different opinions right there. People are very impassioned. I think people are very frustrated what's happened in the Congo over time. So I know there'll be a lot of discussion. We've gotten a lot of emails in the run-up to this event. I do hope you know, again, this is one of a series that we'll be having on the Democratic Republic of Congo's, the election course. We do want this to remain kind of a civil, it's not a political rally, this is analysis and discussion, and we hope we all maintain the tone and keep that spirit in mind. We're going to turn to Mr. Kamere first for remarks and then to Mvemba, and we're going to reserve as much time as possible for a question period. So with that, Mr. Kamere, welcome. We're delighted to host you here, and we look forward to your remarks. Et comment vous comptez effectivement répondre cette nouvelle-là à tous les Congolais, sachant que dans des coins de village, par exemple, où il n'y a pas accès de l'information, ils ont peut-être besoin d'écouter ce que vous êtes en train de me dire. Mais non, j'ai peut-être un petit public qui va voir ce show, mais prénom au village, comment vous comptez Il y a d'abord la radio Capi, il y a des radios communautaires, il y a le fait aussi que nous allons nous déplacer nous-mêmes physiquement pour aller vers la population. Nous allons prêcher notre vision pour le Congo et nous avons toujours dit que l'Amérique latine a été séparée de l'Afrique au moment de la séparation des plaques tectoniques et nous avons dit l'océan Atlantique. Et quand vous regardez de part et d'autre de cet océan Atlantique, vous avez des géants. Il y a le Brésil de ce côté-ci et de l'autre côté chez nous, vous avez la République démocratique du Congo, un géant avec 9 voisins. Et ce sont des similitudes étonnantes. Du côté du Brésil, vous trouvez la première forêt du monde et la deuxième forêt du monde, c'est au Congo. Du côté du Brésil, vous trouvez les premiers fleuves du monde en termes de quantité d'eau. Et du côté du Congo, vous trouvez le deuxième fleuve du monde. Du côté du Brésil, vous trouvez une potentialité énergétique étonnante, et la première. Et donc, vous trouvez une potentialité chez nous de 45 000 MW pour Inga et l'ensemble d'autres sources associées. Nous sommes à 100 000 MW capables d'éclairer l'ensemble de l'Afrique et l'Europe méditerranéenne. Vous trouvez les eaux ici, en Amérique latine, au Brésil, comme Château d'eau. Et au Congo, nous avons 53% de toutes les eaux d'Afrique. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Est-ce que vous savez aussi que l'humanité souffre aujourd'hui de la faim? 1 milliard d'individus ne sont pas nourris. Et que l'espoir de l'humanité, c'est l'Afrique centrale et l'Amérique. Et que les terres du Congo, 120 millions d'hectares, exploitées comme en Chine, comme en Belgique, nous produisons de la nourriture pour 2 milliards d'individus. Ce n'est pas de la fiction. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, ce sont des études de la FAO certifiées que si nous exploitons nos 120 millions d'hectares, nous nourrissons 2 milliards d'individus. Mais quel paradoxe, nous ne sommes que 70 millions de Congolais et nous importons à manger pour plus de 95% de notre population. C'est la mauvaise foi? C'est l'absence de vision et de volonté politique et je dirais que c'est l'égocentrisme des dirigeants. Mais nous disons aussi les scandales géologiques. Du côté du Brésil, vous avez des minéraux, vous en avez aussi au Congo, 110 substances minérales, les tableaux de Mendeleev. Mais du côté du Brésil, on exige à ceux qui viennent chercher les minéraux du Brésil un transfert de technologies, c'est-à-dire 60% des transformations, ça doit se faire sur place. Ça crée l'emploi, ça transfère en même temps la technologie, les Brésiliens s'approprient de cette technologie. Mais chez nous, les gens viennent creuser des trous, ils laissent Atikapa, des érosions, ils laissent Mbujimaï, après avoir scissé la Miba, ils laissent des érosions, la Gécamine, n'en parlons pas. C'est la vache à lait qui a donné du lait depuis des années coloniales et puis à l'indépendance, ça continue à donner du lait.
Si à l'époque de la colonie, à la vache, on lui donnait du fourrage pour qu'il continue à donner du lait. Never thought I'd hear see a black president. Now my kids think they can be president.